Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, de mon côté tout très bien. Il y a les points stars et la nouvelle saison. Donc, on va récupérer les points stars tout de suite. J'ai monté encore des brawlers en 20 que j'avais pas monté à la dernière saison, comme Billy que vous venez de voir. Sinon j'ai remonté à peu près tous les autres brawlers. J'ai monté Surge, j'ai vraiment fort en ce moment. Voilà, il y a Max aussi. Je sais pas si Max je l'ai monté cette saison ou la saison qui dernière. Mortis, je l'ai monté. Voilà, bon, on est en période scolaire, du coup je peux pas non plus monter trop. Et pendant les vacances, j'ai pas non plus hyper joué. Ensuite, ah oui, les points de club, j'ai oublié. Ah oui, saison désastreuse. Bon, c'est pas grave, en vrai, je m'en fiche. Je m'en fiche un peu de ça, c'est vraiment pas très grave. Du coup, il y a la nouvelle saison, du coup, ok. Donc, on a ça, ok. On a des... Nice piece of work. Encore back, on a encore back. Ouais, faut acheter les lions aussi et tout. Lequel de ces skins vous préférez? Honnêtement, lequel de ces skins vous préférez? On a la boîte. Ok, point de pouvoir Joker. Direct, faut réfléchir. Attends. Là, direct, je vais les mettre. C'est bon, bah, de toute façon, il n'y en avait pas beaucoup, donc ça allait pas changer grand chose. Il y a rien de nouveau à part les méga boîtes et tout. le défi, bon, bah voilà ce que j'ai fait moi. On récupère ça. Alors, il y a. Oh, j'adore cette map. De survivants. Du coup, il y a la nouvelle coupe star. Donc, voilà. Et là, c'est le skin de Daryl qu'on peut avoir. J'avais vu les animations dans le Brawl Talk qui étaient vraiment, vraiment bien. Ah ouais, les animations. Ah ouais, c'est trop bien. C'est vraiment trop stylé, on a les icônes et tout. Moi j'aimerais bien monter hors 1 parce que je suis jamais monté hors 1. Je crois que ça se dit comme ça, hors 1. Donc ici t'as les... Oh t'as une quête de survivants pour... Ah ok, ah c'est cool ces trucs là. Et du coup je peux aussi là... Bon je vais pas le faire mais je peux aussi changer la quête du coup puisque c'est une fois par semaine. On va sur cette boîte. Par un heureux hasard on aurait quelque chose. Là il y a le skin de Carl. Ici on a c'est quoi ça? Ah c'est des tags. Yeah. Bah oui il y a les tags. Du coup on a des tags. Là il y a Janet. Et ici normalement il y a le skin Janet Valkyrie. Valkyrie qui fait un peu penser à Clash Royale en vrai. Et donc Janet je pense que vous l'avez déjà tous testé mais je vais quand même le faire pour vous donner mon avis. Alors déjà, oh les tirs, j'avais pas vu le skin, j'avais juste vu la version sans le skin du coup, puisque tu pouvais la tester, et il y avait marqué dans certains jours, les tirs ils sont trop stylés. En fait, avec ce brawler, faut vraiment faire que viser. Ah. Oh les bombes, elles sont... Mais ce brawler est trop stylé. Déjà, je pense un nerf qu'il faut faire, c'est ne pas pouvoir charger l'ulti quand tu es en train de faire ton ulti et que l'ulti dure moins de temps. Je pense que c'est vraiment les nerfs qu'il faut faire parce que sinon c'est beaucoup trop fort. On va passer sur mes autres. On est sur Pizzo sur Abo normalement. Et ouais, on est surtout, je l'ai monté rang 20 et il y a ma Ambre. Non. Là, rang 21, voilà. Du coup, j'ai récupéré des petits points stars, ça fait plaisir. Et sur ce compte, j'avais farmé un peu le Brawl Pass aussi. Donc, on va s'ouvrir. Ok. On a cette boîte là. Et on a rien. Et on va se faire un pack opening. Parce que j'ai des récompenses ici. Gadget de Daryl. Doubleur de jetons.
J'aime les points de pouvoir et les pièces. J'avais gardé toutes les boîtes pour justement faire le. Faire un pas. Si je savais pas quand, bah. Maintenant je sais, c'est maintenant. Et du brawler. Bref, Franck à avoir en épique. Polly aussi. C'est le seul épique. Un Franck, ça ferait vraiment plaisir pour jouer en brawler. Ça ferait vraiment plaisir. Après, si on peut avoir plus. C'est notre légendaire, non? Pas de gadgets. Sauf des gadgets. Ok, équipement bouclier dans la petite boîte. Je vais avoir ma sœur aussi. Ok, gadget de Brock. Que des gadgets. Attends, il reste quoi là? Oh, ça va. J'en étais là. Ferraille aussi, je suis pas mal. Hein. Méga boîte. Je fais un peu vite parce que ensuite il y a un autre compte aussi. Je crois que j'ai pas trop parlé. Mais il y a un autre compte donc on. Quoi, c'est une blague, j'ai eu qu'un point de pouvoir. J'avais fait en même temps. Oh, brawler! Surge en plus! C'est pas n'importe quel brawler, c'est Surge! Oh, si vous savez comment j'adore jouer Surge. J'aime tellement. Y a plus rien. Attendez. Les quêtes, je m'en fous. Si vous savez comment j'aime jouer Surge. Surge, c'est vraiment. Il est incroyable, c'est un. Le brawler il est incroyable. Oh, on aurait pu se débloquer le design. Il reste ça. Et l'or. Est-ce qu'on a des brawlers à s'augmenter? Here comes the big boom! Penny. Passe pouvoir 7, donc ça fait d'autres gadgets. Ouais, on peut aussi les jouer, hein, les gadgets pour se faire un. Pour se faire troller. Time for troll. Colt. Pourquoi pas. Bon, j'aime bien jouer, donc ça va. Et c'est tout. On va passer sur le dernier compte. Le jeu, il a un petit peu du mal, là. It's go time. Ok. Là, on est sur mon compte Best Costaud. C'est une petite aventure que j'ai un peu abandonnée, là. C'est pas comme le... Le Pizzo Sarabo, là, j'ai un peu vraiment abandonné. Du coup, en fait, le but, c'était de mettre El Costo au pouvoir 10 ou pouvoir 11. Au final, je l'ai mis pouvoir 10. D'avoir quelques skins sur lui, donc j'en ai un. Attendez, pourquoi il me... Pourquoi il me... Ah, bah oui, sûrement. Ah oui, il est disponible dans la boutique, voilà. Mais voilà. Et du coup, en fait, vu que je tenais plus trop à ce compte-là, bah du coup, j'ai dépensé toute mon or pour améliorer tous les autres persos. Puisque j'avais pas trop utilisé les autres. J'avais pas utilisé ce compte. Je suis parti dans. On va mettre ça à la costaud. Petite boîte. Je suis perdu dans ce que je disais. Je sais pas pourquoi. Il y a vraiment eu un blanc. Et ensuite on ira vérifier, mais je crois que. Quoi? C'est quoi ça? Oh, j'ai. Ça date de quand ça? Ça date de quand? Ah ouais, bah je savais pas que j'avais des boîtes. Et sur ce compte aussi, il faut le dire, j'ai pas de chance. J'ai ouvert. J'avais des gemmes sur ce compte. Je crois que j'ai pris une offre où il y avait 3 mégaboîtes. Je l'ai faite en vidéo, je crois. J'avais rien eu. Et là, j'ouvre 2 mégaboîtes encore. Donc ça fait 5 mégaboîtes d'affilée en tout. Puisque j'ai pas réouvert d'autres trucs à part la grosse boîte. Mais ça compte pas trop, voilà. Mais j'ai vraiment pas de chance, quoi. J'ai les Star Power. J'ai les Star Power d'El Costo à débloquer. Un Star Power, c'est pas compliqué. Ah oui, il y a ma Shelly aussi. Qui est pouvoir ça. Du coup, c'est pas la seule chose, voilà, pour améliorer. Lui, et il y en avait, il y avait Nita, voilà.
Pouvoir 7 aussi, bon c'est pas grave. Du coup j'ai tout amélioré sur ce compte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine.